Salut à tous. Comme vous le voyez, nous avons assisté à un match qui va se jouer dans des conditions pluvieuses. Pierre Ménès est à bloc, il est à mes côtés, comme toujours. On se dit que Manchester City aimerait battre son rival principal dans ce groupe. Manchester City contre le FC Barcelone. Oui, les Blaugrana qui ont pris 3 points lors de la première journée, ils vont tenter d'en faire autant aujourd'hui. C'est le deuxième match pour cette équipe qui, en prenant les 3 points aujourd'hui, ferait une excellente opération. Elle se rapprocherait vraiment de la qualification. Manchester City, qui a de très grandes ambitions cette année encore dans cette Ligue des Champions. Ouais, seulement entre vouloir et pouvoir, c'est pas la même chose. Ah voilà, le premier ballon de cette rencontre de groupe de la Champions League. Kun Agüero. La quête d'Ederson qui s'est détendu pour sortir ce ballon de sa cage. Le Messi qui frappe ce corner, bien parti. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Lionel Messi. Oh, il peut centrer. Sergio Busquets. Avec le Kun. Et ce sera un corner. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Sans danger pour l'adversaire. Il va pouvoir frapper peut-être. Est-ce qu'il va centrer ? Jordi Alba en 1-2. Frankie de Jong. Sergio Aguero. Ah non, ballon perdu. Non, on va suivre ce choc hein, dans ce groupe de Champions League entre Manchester City et le FC Barcelone. Ouais, avec un énorme combat en perspective pour les deux équipes qui veulent bien sûr se qualifier l'une et l'autre. Ce qui est possible, on le rappelle. Voire probable. Ouais, voire probable. João Cancelo. Et ça s'est donné comme il faut. Une tête passée appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. Émeric Laporte. Kevin De Bruyne. Rodri. Avec De Bruyne. Il a piqué son ballon. Fernandinho. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Sterling. Attention à la frappe. L'ouverture du score donc. Et grâce à Raheem Sterling, premier buteur dans cette rencontre. C'est sûr, il y a un côté tout ou rien quand on tente des frappes pareilles, mais pour le coup, celle-ci est parfaitement exécutée. Quelle puissance, regarde-moi ça. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Sergio Busquets. Jordi Alba. Fernandinho était là pour intercepter. Kevin De Bruyne avec Rodri. Sergio Aguero. Kun Aguero, on parle beaucoup de lui en ce moment. On le retrouve pour la première fois face à son ancienne équipe. Et c'est vrai que dans ce genre de match, dans ce genre de retrouvailles, c'est pas toujours. Il est passé. Aguero. Oh le but ! Oh le FC Barcelone qui égalise ! On revoit sur ces images la passe en profondeur, tout par-delà. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et voilà donc à égalité, un but partout. Goal for FC Barcelona, number 9. Sergio Aguero.
Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. Entre dans la zone dangereuse. Non, elle est interceptée cette passe. Kai Walker. Gabriel Jesus. Ah non, le ballon est perdu. Ouais, la bonne passe d'Aguero, c'est dangereux. Et le Barça qui marque. Bon, voilà la passe en profondeur de Grisou qui a amené ce but. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. FC Barcelona, Manchester City qui voit son adversaire prendre l'avantage. Clément Lenglet, Antoine Griezmann. Ah, et bien vu, mais mal dosé, ça va aller jusqu'au gardien. Et une minute de temps additionnel. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause, avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps. Bonne prestation de... Voilà, à l'instant même, donc le second acte de ce match de groupe de Ligue des Champions qui vient d'être donné. Sergio Roberto. Et Messi. Ah ouais, c'est bien fait ça. Sergio Aguero. Ah, dommage, le ballon qui est perdu. Emeric Laporte. Sylvain. Les stats sont assez claires, City a souvent le ballon dans ce match. Mais cette équipe a quand même du mal à amener le danger devant le but adverse. Tant qu'elle n'obligera pas la défense adverse à se découvrir un peu, bah ce sera dur de revenir au score. Gabriel Jesus. Avec Bernardo Sylvain. Récupération d'Aguero. Sergio Busquets, le bon ballon dans la profondeur. Sans danger pour l'adversaire. De Bruyne. Et It Sports qui nous donne rendez-vous avec le championnat espagnol pour cette rencontre. Le FC Barcelone qui affrontera Villarreal à l'extérieur. Ah, une rencontre qui, je l'espère, sera intéressante. Kun Agüero. Antoine Griezmann. Ouais, bel exploit individuel. Attention à lui. Ouais, il s'est fait piéger comme un bleu. Surtout, gâche une belle occasion de but. Il joue son atout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Kevin De Bruyne. Et Sylvain. Bruno Cancelo. Rodri. Avec Rodri. Manchester City qui perd ce ballon. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Et il concède le corner. Ah, il est bien parti ce corner. Ah, la meilleure solution c'était de dégager. Il a eu raison. Léo Messi. Jordi Alba. Sergio Aguero. Agüero, la frappe. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Joao Cancelo. Emeric Laporte. Ah, la bonne qualité de ses passes. On transmet ce ballon.
De Bruyne. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Sergio Aguero. Messi. Le ballon qui file en touche. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour recoller au score. C'est une action importante pour Manchester City, il reste peu de temps pour égaliser. 2 buts à 1, le score toujours serré, plus que quelques minutes à jouer. Tiens, un petit mot peut-être sur le prochain adversaire de cette équipe, Pierre. Oh, la bonne occasion! Oh oui, magnifique! Oh, le ciseau, c'est splendide! Fantastique, le geste parfait! On n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but. Alors qu'on nous repasse des images trop rares, forcément. Tenter un truc pareil, c'était déjà pas mal, mais en plus, le réussir, c'est très fort. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Sergio Aguero. Antoine Griezmann. Attention à cette action des Blaugrana. Pas sûr que ça se termine sur un match nul tout ça. Riyad Mahrez. Kyle Walker. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ouais, bien, ils ont bien pressé, ils sont allés le chercher ce ballon. L'interception parfaite au moment près. Et voilà, cette partie qui va donc se terminer sur un partage des points. Ce qui est loin d'être catastrophique, hein. Pour cette équipe qui compte désormais 4 points en 2 matchs. Oui, bien sûr, elle aurait aimé enchaîner sur un nouveau succès. Mais voilà, elle est prévenue, elle n'est pas largement au-dessus du lot dans son groupe. Vous avez pensé quoi du match d'Aguero, Pierre ? Un match correct.